Coucou tout le monde, pardon. Coucou tout le monde, donc c'est ma première vidéo puisque j'ai déjà, ça fait déjà plusieurs années que j'ai cette chaîne YouTube, mais c'est ma première vidéo que je vais faire sur cette chaîne YouTube. J'ai d'autres chaînes YouTube comme ma chaîne YouTube anglais, enfin j'ai une chaîne YouTube en anglais et une chaîne YouTube en espagnol. Et bien sûr, j'ai que 10 vidéos sur ma chaîne espagnole, comme vous savez, enfin comme vous savez. Comme certains savent. Et donc, on va refaire. Coucou tout le monde, donc. Attends. Coucou tout le monde, on se. Voilà ma. Sur cette chaîne, j'ai d'autres chaînes, une chaîne en espagnol, une chaîne en anglais. J'ai pas encore vidéo sur la chaîne en anglais, mais ça viendra. Et j'ai une chaîne en espagnol. Alors j'ai commencé à faire des chaînes en d'autres langues comme anglais et espagnol parce que je veux apprendre ces langues, donc c'est pour les pratiquer. Et mais j'ai que des vidéos sur la chaîne espagnole et ça m'a donné envie de faire une chaîne en français, donc voilà, j'ai pris le goût, donc du coup, voici ma première vidéo. Je fais une vidéo sur, si vous avez vu le titre, les commentaires méchants, les commentaires bizarres, même les commentaires trolls. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Sur tous mes réseaux sociaux, sauf Instagram, parce que les commentaires sur Instagram méchants, je les supprime. Enfin un peu bizarre je veux dire parce qu'il n'y a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de commentaires méchants. C'est juste des commentaires bizarres que je comprends pas toujours parce que c'est... Ou alors c'est un humour assez bizarre que eux comprennent seulement. Mais je vais commencer par... Donc du coup je les supprime ces messages là. Et j'ai eu l'idée de faire ça, cette vidéo avant... Avant de... Enfin, je les avais déjà tous supprimés avant que je sache que je voulais faire cette vidéo-là. J'arrête pas d'avoir des messages, là. Comme vous voyez dans le titre, c'est une chaîne sur les méchants commentaires. Attention, je parle pas des méchants commentaires comme les youtubeuses peuvent avoir, parce que moi... Enfin, comme les gens connus peuvent avoir, une youtubeuse connue, parce que moi, je suis pas connue, mais je suis quand même active sur mes réseaux sociaux. Mais c'est plutôt aussi pour faire voir comment les femmes sont... traité, on va dire, sur les traités entre guillemets sur les réseaux sociaux, parce que pour moi c'est toutes les femmes comme ça, toutes les jeunes filles, toutes les filles sont plus ou moins enfin pas harcelées mais traitées comme ça, on va dire. Internet c'est un peu comme un casting de drague pour les hommes, quoi. Donc je prends mon ordinateur, je me munis de mon ordinateur, attention le son, les lunettes, parce que sinon je ne vois rien, pour commencer cette vidéo. Je vais regarder d'abord qui m'envoie des messages, et ben il attendra. Alors, pour commencer, je vais vous afficher ici ou ici ou au milieu, enfin je vais vous afficher quelque part les commentaires. En fait c'est les commentaires, messages privés, c'est tout tout et n'importe quoi. J'ose même pas le lire celui-ci. Donc je suis en photo et commente, une personne me commente, on dirait que tu es en couche culotte. Bon j'avoue quand même, quand tu le dis. Ça m'avait fait rire d'ailleurs. Non mais sincèrement, vous voyez que... Vous croyez vraiment que je suis en couche culotte là? Non mais en fait, ce mec il a pas vu des couches culottes depuis je sais pas combien de temps. Hein. Sérieusement. Ça ressemble pas à une couche culotte, ça ressemble à... Alors, comme une subtile pétale de rose... Non, comme une subtile... Je sais même plus lire. Comme une subtile pétale d'une rose, Sarah, en capitale d'imprimerie. Enfin, en majuscule. On t'aime en phrase, telle une source bleue, tu es pétillante avec aussi tes yeux. Franchement, c'est mignon, mais vous allez voir comment il abuse.
Vous allez voir comment il abuse. Parce que, commentaire suivant, mon ordi bug. Commentaire suivant, belle comme une éternelle. Belle comme un éternel soleil, beauté de la nature, telle l'eau pure. Tu vois, c'est des trucs qu'il avait vraiment pécho dans des poèmes d'antan, tu vois, d'antan. Mais on voit que c'est la même personne. Hein. Voilà, voilà. Tu es trop belle, je t'aime. Il ne connaît pas. Et vu son nom, vu son prénom, Guy, je t'embrasse. Je suis fan de toi, Sarah GTM. Pas JTM, GTM. Bah, Henri, merci. Je suis fan de toi, je sais même pas si j'avais. Est-ce que j'avais ma chaîne YouTube? Non, il y a 6 ans, j'avais pas ma chaîne YouTube. Ça devrait constituer une action humanitaire de vouloir venir te réchauffer le cœur dans un endroit pareil. On dit que l'amour est aveugle, ainsi j'espère pour toi qu'elle sera aveuglée par ton charme inné. Bonne chance, ami. Bonne chance. Bah écoute, je sais même pas pourquoi tu m'as écrit ça. Je m'en rappelle même plus. Bon, en même temps, ça date parce que j'ai vraiment cherché dans toutes mes photos sur mon compte. C'est plus mon compte personnel celui-là d'ailleurs, parce que sinon j'aurais pas mis. Ça sur internet, enfin sur YouTube, c'est mon compte, c'est un compte YouTube et je m'en sers pour mes vidéos et tout. J'ai un autre compte personnel que là, je ferai pas voir. Bref, sinon ces personnes-là, c'est pas méchant, ça va, c'est gentil, mais... Ah bah alors lol, belle comme les peintures des aquarelles. Belle comme les peintures des aquarelles. Donc ça veut dire que si personne n'aime pas les peintures d'aquarelle, moi je suis dans la merde. Parce que j'ai une aquarelle sur la gueule, les gars, je ne sais pas. Comment des hommes normaux ne peuvent pas avoir envie de t'aimer? Tu es ravissante, la plus belle, une vraie Miss France. Merci, mais franchement, moi je ne me trouve pas si belle que ça. Mais merci vraiment, enfin c'est une fille qui dit ça. Comment les hommes normaux, ça veut dire quoi? Voilà, je vais passer à l'autre commentaire. Salut, ajoute-moi, je suis bloquée. Avec toutes les fautes possibles. Toutes les fautes possibles. Alors là, il m'a mis toutes les fautes possibles dans 1, 2, 3, 4, 5 mots. Dans 5 mots. Dans une phrase, j'allais dire. Et bah Patrick, écoute. J'ai envie de te dire, va te racheter un Becherel. Et j'ai envie de te dire, je vais pas t'ajouter. Parce que si t'es bloquée, à mon avis, cette personne a dû... harceler beaucoup de faire beaucoup de demandes d'amis et harceler beaucoup de personnes. Donc pour moi c'est ciao, bye bye. Allez, et les filles vous devez faire pareil parce que franchement à un moment donné ça saoule, surtout quand après on t'engueule, ouais, tu réponds pas à un message, patati patata. Bah écoute, non, je n'ai pas que ça à faire. Et franchement je suis sûre que c'est pour toutes les filles pareil. Donc même si toi tu regardes cette vidéo, je suis quasi sûre que t'en as eu des gars, des spécimens. Il n'y a pas que moi. Demandez à toutes les filles de votre entourage. Voilà, une personne me dit « t'es trop belle ». Encore avec une faute. Et ça, je supporte pas les fautes. En fait, les fautes d'inattention, moi, j'en fais aussi des fautes d'inattention. Mais là, des fautes « t », avec un « t », moi, ça me gave à fond. La France est dyslexique, je sais pas... Donc moi je réponds quand même merci, il me fait de rien avec un cœur, envoie-moi des photos de toi en privé STP. Non mais est-ce que j'ai la gueule d'envoyer des photos en privé? Non mais là à un moment donné il faut arrêter le délire les mecs. Les filles c'est pas des putes, les filles sur les réseaux sociaux ne sont pas des putes. Même genre si elle fait voir son ventre, je crois que la fille même si elle fait voir ses fesses, c'est parce qu'au moins elle a travaillé son fessier ou alors qu'elle trouve, elle veut faire voir comment cette personne a... genre elle fait du fitness, elle veut faire voir comment cette personne, parce que même les mecs le font, hein. Faut pas dire ouais les filles vous êtes des salopes, même les mecs le font et eux ont rien. Donc si cette personne fait voir ses fesses pour faire voir comment bah, elle a bien travaillé ou je ne sais pas trop quoi, ça veut dire quoi, qu'elle a envie de te coucher avec toi, que c'est une fille facile? Non, je ne crois pas. Et en plus internet n'est pas l'égal de la réalité, ça n'a rien à voir. Tous labios parecen tener el sabor de una fruta salvaje. Ri, c'est comme lol ou ha 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 en français. En fait, la personne me dit tes lèvres paraissent avoir la saveur
d'un fruit savoureux, voilà. Pour je sais même pas, j'aurais dû mettre les photos, mais c'est même pas bref. J'ai même pas liké, comme vous voyez. Je crois que j'en avais marre un petit peu. Quand les gens te connaissent pas, ça fait bizarre. Enfin, je sais même pas entre si c'est un compliment ou un. Je suis ainsi. Salut Sarah, es-tu intéressée pour devenir ma muse? En effet, c'est pas la première fois que je reçois ça, j'en reçois beaucoup. En effet, je recherche toujours de nouveaux modèles car je suis peintre, photographe et sculpteur. Non mais attends, mon œil, franchement. Peintre, sculpteur et photographe, non mais tout pour charmer une femme, tout pour charmer une femme. Parce que qui va croire photographe, peintre, sculpteur, allô les gars, attends. Ne t'inquiète pas, je suis professionnelle, bien sûr. Et donc je respecte mes modèles et bien entendu et te rémunérera. Ah j'ai même pas mis la suite. Te rémunérera. Blablabla. Bon mais franchement. Un vrai photographe ne va pas chercher des personnes comme ça sur internet. Ou alors elle donne un rendez-vous mais ne va aucunement dire ça, faire un commentaire comme ça sur internet. MDR, tu as un look d'une comédienne. J'ai un look d'une fille de tous les jours. C'est un message privé que j'ai eu ça, il me semble. C'est des trucs un peu pour te. Tu vas être complimente, ça te touche, on va dire entre guillemets. Puis voilà. Je crois qu'à ce moment-là, je faisais des vidéos sur YouTube aussi, que j'ai supprimé d'ailleurs ces vidéos. Hello, j'ai un iPhone 4 que je peux t'offrir. En échange, on passe une soirée ensemble, ciné, discussion, trois petits points. Les gens écrivent des commentaires, mais ils ne savent pas comment ils sont pathétiques et comment on peut les croire. Non, mais ils croient quoi, sérieusement? Là, même vous, je suis sûre, vous êtes en train de vous dire, mais comment des gens peuvent croire que nous, on peut les croire? Tes yeux ressemblent à deux opales pures comme le cristal. Voilà. Ça aurait pu être le poète d'avant, là, du deuxième commentaire que je vous ai fait voir, mais non, c'est pas lui. Mais voilà, j'en reçois souvent de ça. Et maintenant, enfin, avant, je répondais à certains. Mais maintenant, je réponds plus parce que j'ai pas envie de rentrer dans des discussions qui n'amèneront à rien. Donc même sur mon compte Facebook, j'ai bloqué mes messages. Donc vous pouvez m'envoyer des messages, hein, c'est pas ça le truc. Mais ça ne sera plus si je suis connectée sur ce compte, ça sera plus instantané. Enfin, je veux dire instantané. Il n'y aura pas la barre qui s'affichera quand tu reçois un message. Tu as une barre qui s'affiche. Qui s'ouvre directement pour que tu vois le commentaire. Donc normalement ça me fera genre une notification, mais j'irai jamais voir, hein. J'irai jamais lire un commentaire, un message, à part peut-être ceux que je connais vraiment, mes vrais amis.